de la position de l'aigle. Voilà. Décollage immédiat. Oh là là. Coucou Athéna, coucou Calice, coucou mesdames, coucou messieurs, coucou les enfants, coucou les animaux. On est à la montagne, souvenez-vous, il y a quelques jours on a fait 24 heures où t'étais le boss. Et là on vous propose d'être 24 heures avec nous. Et là pour commencer, on est les premiers réveillés. On n'a même pas pu prendre notre petit déj, que c'est fermé encore. Donc on va le prendre en haut des pistes, on va faire la first track, une activité proposée par Emmanuel. Je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. C'est-à-dire qu'on va être les premiers à descendre une piste. Pas de soucis. Alors c'est parti. A few minutes later. Et ça y est, on est arrivé tout en haut. À la pointe de la masse, pour descendre les premiers pulls. Regardez, il y a le Mont Blanc là-bas. Là. Et là, on va se faire plaisir avec une première descente. Et après, on prend le petit déj. Alors, en ski, les filles, on est parti ? Oui ! Tout chaud, Athéna ? Tout chaud. Ça fait de la position à la Athéna. Ça va, Athéna ? Ouais. On n'est pas bien là ? Ah, si. Avec la position, Athéna. C'est la position de l'aigle. Eh mais comment le pisteur il fait des virages sur un seul ski quoi. C'est trop fort. Un pouce bleu pour le pisteur, ouais, il fait un travail remarquable pour ouvrir les pistes, fermer les pistes, les secouristes, ceux qui s'occupent des remontées, l'office de tourisme, les saisonniers, les restaurateurs, tout le monde et les touristes évidemment. Là ils ont bien tassé la neige. Oh. Là ils ont bien tassé la neige. Attention! C'est bien, c'est que les skieurs sont solidaires. C'est good. Même quand la neige est bonne, on n'est pas à l'abri d'une chute. On est arrivé pratiquement en bas. Là, on va remonter et on va se retrouver au petit déj. Miam miam, le petit déj. Et regarde là-bas, la dame blanche. Et tu vois, il est accroché par des câbles dans la roche. Parce que s'il tombe, il peut carrément tomber un pilote. Et il ressemble à une dame, un visage, c'est pour ça que ça s'appelle la dame blanche. Oh, on a un passager qu'on descend à bord. Tu sais faire du ski, Peter? Non. Comment on fait alors? Avec des skis. Mais t'as pas de ski? On est au 2800, le restaurant d'altitude, en haut de la pointe de la masse. Super petit déj. Bon appétit, Caïs. Et bon appétit, Athéna. Merci. Alors, ça y est, on a fini notre petit déj tout à l'heure. Là, maintenant, on est passé de l'autre côté. On est presque à Méribel. Et hop, on va descendre et puis on va faire du ski. Et on filmera s'il y a des choses singulières ou sympas. Mais non, faut pas taper gros coups. Mais je ne tape pas, je fais des caresses. Si tu fais des caresses avec un bâton. Oui, bah j'ai pas envie de me baisser aussi. Là c'est pas drôle parce que Calice est parti avec mes bâtons. J'ai pas de bâtons. Mes bâtons. Mes bâtons. Bah non. Ah la coquine Calice. Pour la peine c'est toi le loup. Parce qu'on joue, au loup nous sur les pistes. Non, ça marche pas. Ah, elle m'a touché. Voilà. Ça va, Calice? Ça va bien? Ah, ouf. Wow. Ah, on est à Courchevel. Ça, c'est l'altiport. Là, tu sais qu'en commentaire, on me demande quelle médaille tu passes cette année. Eh ben, aucune. Aucune. Pour la deuxième année d'ailleurs, parce que l'année dernière aussi, on a skié tous les trois. En fait, depuis que tu as ta troisième étoile, on skie tous les trois. Tu passes partout. D'ailleurs, avant-hier, on a fait 78 km. Et donc, on a fait une noire aussi. Exactement. Bon, ben voilà, donc c'était pour la petite anecdote.
On fait une autre noire, mais cette fois c'est une vraie noire. La dame blanche à la masse, regardez, c'est pas damé. Il y a des bosses qui font 1m50. Alors comment ça se passe, Athéna? Ça se passe bien, t'es pas tombé, hein, tu prends ton temps. Calice, ça va, tranquille. Allez les filles. Ouh. Oh. Allez Athéna, ouais. The best. Wouh. GG. Ça va? Ça fait mal, mais ça fait trop bien. T'as fait une belle figure, hein. T'es impressionnant ton saut, hein. Bravo. Donc là, on est sur un téléski qui est pas destiné, on va dire, aux enfants amateurs, hein. Elle adore les téléskis, Athéna. Calice aussi, moi aussi. Hein. Franchement, il n'y en a plus beaucoup, mais c'est génial. On fait du ski même en montant. Des fois, on voyait tes deux skis qui touchaient plus le sol. J'ai décollé deux fois. Ouais. Mais t'aimes bien? Ouais. Allez, Athéna. Super Athéna. Ouais. Elle est contente. Elle est contente. Ouais. Et là on va arriver au tremplin olympique. Et le voici, le tremplin olympique. Il faut avoir le cœur bien accroché quand on fait ça. Le ranch nordique. Le family park. Je sais de pas perdre la GoPro. Ouais. Ouh. C'était sympa. Comme Monsieur Gobelet. Oh non, pas lui. Oui. Monsieur Gobelet, je crois qu'on s'en souviendra toute notre vie. Oui. Après la piste des Indiens, lors de notre précédente vidéo, voici la piste des Inuits. Baleine. Oh, c'est mignon ça. Oui. Oui. Oh, c'est mignon. Ah, excellent. Et là, c'est le village des Inuits. Kong. Personne n'est arrivé, tu crois? Et le gong, bravo! Tu as gagné! Oh! Ouais, je passe par là! Mais non! Mais c'est pas un boulevard, mais ski! Si! Ciao! Eh bien, ça y est, on est arrivé. On est installé dans un resto au hasard. En plus, ça ferme à 15h, on arrive à 15h03. On n'a que des pâtes, mais c'est bien. Et moi, je mange comme hier. Bon appétit. Merci, bon toi aussi. Un bouquetin, ça. Regarde. Un tétralier, ouais, ben voilà. En fait, je ne voyais même pas au-dessus. Mais on a fait la piste du tétra, ce matin. Sanglier. Le sanglier, c'est assez rêche. Le renard, c'est assez doux. Bruit, bruit, bruit. Oh, mais il est là, le sanglier. Je connaissais pas, on n'a jamais fait encore la piste des animaux non plus. Mais c'est plutôt rigolo. Le gypaète barbu. Allez, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Il y a le poussin des Alpes. C'est une tête rouge et un pelage tout jaune. Regarde-moi ce poussin des Alpes. C'est mignon. Ouais, non. T'as vu le cri du poussin des Alpes? Le chamois. Ah, c'est petit, hein. Je voyais ça un petit peu plus grand. Ça, c'est connu comme le loup blanc, le loup. Chevreuil. Son cri d'alerte est appelé aboiement, je ne savais pas. On apprend des trucs, hein. J'aime bien cette piste. Donc le chevreuil aboie. Ah, il y a un aigle qui les attaque ou ça? Bah c'était vraiment pas mal, hein. Moi je suis content, j'ai appris des trucs en tout cas. Est-ce que t'as aimé? Ouais. C'est magnifique. C'est magnifiquement beau même. Le soleil qui va se coucher bientôt. Allez, vas-y Athéna.
Dernière descente de la journée. Ouais, ça y est. Dernier chemin de cette journée pour arriver au bel endroit qui est ici, devant. La neige a bien fondu, hein. Calice, elle t'a touché. Ah bon? Oui. Ça va, Calice? Décidément. Bon, bah, c'est moi le loup. Allez, chocolat chaud. Et voilà, ça y est, là, on est rentré, on a remis le ski dans le clavier. Un bon nectar de banane avec un pancake. C'est pas un pancake, c'est des mini crêpes. Et pour Calice, nectar de banane également. Moi, j'ai pris une petite crêpe au sucre. Et là, maintenant, on vous réserve une surprise de geek. Alors, avant de voir notre surprise de geek, on a fait 62,4 km ouais. Aujourd'hui. Tu vas partout et tu vas hyper vite. Bravo. Oui. Et tu tombes pas. Et Calice non plus, évidemment. À part la fois, je suis tombée. Mais bon, attends, elle fait des sauts par arrière, c'est sûr que je te dis. À part la fois où je suis tombée dans le filet. J'ai raté le virage, c'est bon. Et je suis atterri dans le filet, c'est bon. Donc on se retrouve dehors. C'est pas fini. Let's go. Et la surprise geek, c'est, regardez, c'est dans le programme d'animation. Il y a ce soir le Thursday Night Show, un spectacle de drones. Mais en fait, là, on va assister à la préparation du spectacle de drones. Merci à l'office de tourisme de nous permettre de voir la préparation. C'est peut-être là-bas. Ça doit être par là. Bon, ça y est, on est arrivé sur les lieux. Donc là, ce soir, pour les menuirs, on va faire un spectacle avec 100 drones. C'est très simplifié, hein. 4 moteurs, dedans il y a de l'électronique. Et on va retrouver le gyroscope qui permet de détecter le lacet, l'accéléromètre qui permet de détecter les différents mouvements latéraux. On a le baromètre qui permet de détecter la hauteur. Et bien sûr, l'appui GPS qui permet de positionner le drone exactement là où on le souhaite. Dernier grand élément, c'est la LED. Sans drone, on va les installer ici. Donc il y a donc 25 tapis, on met 4 drones par tapis. Donc le spectacle va se dérouler au-dessus. C'est très important, on a une zone qui va être délimitée pour nous, c'est au niveau de la sécurité. On ne peut pas faire ce qu'on veut, on est très régulé par la préfecture et par la direction de la sécurité de l'aviation civile, la DESAC. En fait, tout est programmé, c'est ça. Ils sont programmés les uns que les autres. Il n'y a pas 100 pilotes, évidemment, de drones. Il n'y a pas 100 pilotes. Donc effectivement, il y a 3 grandes étapes dans ce qu'on fait. Première étape, c'est la conception du spectacle. Mmh. Une fois qu'on a une scénographie, on va la modéliser en 3D. C'est la deuxième grande étape. Ça va permettre de pouvoir générer les trajectoires. C'est aussi là où on va vérifier qu'il n'y ait pas de collision, qu'il n'y ait pas de problème, que les couleurs soient bien réglées. Troisième grande étape, c'est qu'on prend tous ces plans de vol et on va les injecter ce soir ici. Et j'ai plus qu'à appuyer sur démarrer et le spectacle se fait. Et puis voir que tout se déroule correctement. Exactement. Donc il y aura des figures qui vont être réalisées au fur et à mesure. C'est ça, exactement. On est sur le thème de la montagne. Donc on va retrouver des grands éléments, montagnes, flocons, tout ce qu'on aime. Ça. Vas-y. T'aimes bien les drones, hein? On en a un déjà, mec. Un déjà, c'est pas évident. Ah bah il s'est connecté, voilà. En bleu. Et donc, Ça pèse quoi, 300 grammes? Ouais, 285 grammes. Ouais, pas loin. Ouais. Donc là maintenant, on va passer au test. C'est marrant ce qu'ils font avec les drones. Athéna, pourquoi ils font des mouvements avec le drone avant? C'est pour faire sécher le vernis dessus. Hein, toi qui as vu E égale M6, et d'ailleurs c'était cette équipe là qui était dans E égale M6, c'est marrant. Pourquoi il bouge le drone comme ça avant là? J'en sais rien, je m'en souviens plus. Your master. Attention, petit test en préparation, je répète, petit test en préparation, vérification des portes opposées, armement des toboggans, décollage immédiat. C'est beau, hein? Ok, vas-y, pose. Wouhou! Yeah! Ça va être très sympa, ce spectacle. Hâte de voir ça. C'est stable, hein, c'est impressionnant quand même. Atterrissage. Par contre, ils atterrissent dans la neige. C'est quoi ce truc? C'est notre bonhomme de neige. Bon, allez, on va se retrouver là dans... bah, maintenant pour le spectacle quand le soleil sera couché ici à la croisette des menhirs. D'accord. Ah non! Tu lui as cassé la tête. Moi, je peux descendre peut-être. Ouais, sans luge. Ah, pas mal quand même sans luge.
Ah non. Moi, je vais faire avec les bottes. Ah, Calice a gardé sa tenue de ski, forcément ça glisse mieux. Allez, c'est parti pour la descente au flambeau. Allez, on les voit. Elle est faite par les moniteurs de l'ESF. Qui est, je viens de l'apprendre, une des plus grandes écoles de ski du monde. Regarde, regarde, ils sont en train de faire un flocon, j'ai l'impression. C'est ça, Calice? Non, c'est un logo de pharmacie. C'est la Croix-Rouge, sauf qu'elle est blanche. Ça va être sympa de faire la descente au flambeau comme ça. Dans le temps, ils prenaient quelques personnes de la station pour accompagner les moniteurs. Ouais, moi, j'étais là, je l'ai fait. Oui, c'est vrai. Et je crois qu'il n'y avait pas encore celui de Bubble Petit. Non. Ah, si je retrouve les images, si je retrouve les images de Calice, donc autant vous dire qu'elle n'était pas très haute ni grande, eh bien, je le mettrai. Allez, je vais le mettre maintenant. Ouais, Calice. Allez, on avance. Et bien voilà. Si, vous étiez tous là. Donc voici la descente au flambeau. Ah, c'est une... Ah, il a perdu son flambeau. Il fallait pas le manger, monsieur. Ah, il y a une chute. Il y a une chute un petit peu plus loin. Ah, un déchaussage de ski, comme quoi même les moniteurs peuvent faire des petites erreurs. Il n'aura pas ton flocon. Incroyable, incroyable. Un moniteur qui a déchaussé. Excellent. Ouais, elle est morte de rire. C'est une monétiste. Attention, c'est parti. Donc le spectacle, et voilà. 2, 1. Allez, ça va être parti pour 14 minutes. Le logo des menuirs. Magnifique spectacle de 14 minutes avec 100 drones. Magnifiquement réalisé ce spectacle. Ça y est, on est rentré à bel endroit. Et là, c'est quoi ce soir? Atelier Burger. Atelier Burger. Allez, je propose de regarder le buffet. Oh, ça sent Atelier Burger, enfin, effectivement. Avec du pain, du bon, du steak haché. Avec un petit peu de sauce. Donc ça, c'est vraiment Atelier Burger avec les bonnes. Comme tous les soirs, il y a des pizzas. Pizza, chèvre, miel ou pepperoni, fromage, des pommes de terre, pasta. Alors ce soir, il y a des moules à la montagne, c'est étonnant. Du poivron grillé, il y a toujours aussi du poisson. Ce soir, c'est sardines. Il y a toujours du potage. Enfin, là, il y a de la polenta, il y a du bœuf bourguignon. Et en dessert, on est sur du crumble poire chocolat avec de la panna cotta, avec du marbré chocolat, verrine banane chocolat, et de la tarte citron meringuée. Voilà. Et là, voilà le fromage. Bon bah ça y est, on est au dodo après avoir bien mangé l'hamburger. Après avoir vu l'animation, le spectacle avec les méchants Dark Vador contre le Joker, contre Voldemort. C'était très bien le spectacle, voilà, c'était rigolo. C'était les méchants contre le scénariste qui a inventé les histoires des méchants. Et de l'humour, et de la chanson, et c'était marrant. Mais là c'est l'heure de se coucher parce que demain, grosse journée encore, il est 22h14 précisément. J'espère que vous avez aimé cette vidéo des 24h, on a commencé ce matin avec le petit déj sur les pistes avec la first track. Et là on termine ben, ce soir avec le dodo. J'ai l'impression que ces 24 heures ont duré 2 jours, moi c'est un truc de fou. Bon, on se retrouve très vite en tout cas sur Steve Bubble Tea. Laissez un petit pouce en l'air si vous avez aimé, partagez, commentez, abonnez-vous et surtout n'oubliez pas, soyez bien, soyez bon et vivez vos rêves. Bon, moi je vais rêver parce que je suis fatigué, je vais me coucher. Mais non pas.